Gloire à Dieu, nous comptons, bien-aimés, pour nous retrouver nous ensemble encore une fois, soyons dans présence bon Dieu, nous venir de même cœur, puis passer un temps dans la méditation de la parole de Dieu. Moi, espérer, bien-aimés, où tu es passé une semaine qui est fort vint pis près Christ, une semaine que tu grandis dans la foi, dans la marche. Le mot dit ça, ça ne veut pas dire pas gagner difficulté. Ça pas veut dire pas gagner adversité. Mais moi espérer que au beau milieu des adversités, chaque jour qui passait, ou vienne plus près bon Dieu. Moi je vais prendre temps pour moi saluer toutes amies qui branchaient de près ou de loin, ça yo qui mettait tant ça à part pour yo participer avec nous à cette table spirituelle. Bien-aimés, nous comptons pour nous rentrer encore une fois dans la méditation de la parole de Dieu à Soya. Si vous gagnez une Bible, je vous invite à ouvrir avec nous. Nous allons continuer, bien-aimés, une portion de l'écriture que nous avons commencé semaine dernière. Et donc, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans le livre de 1 Samuel. Seulement à Soya, nous allons considérer le chapitre 18. 1 Samuel, qu'est-ce que la Bible a ouvert dans le chapitre 18 là? On a commencé lit depuis fin chapitre 17 l'an et on a rentré dans chapitre 18 l'an pour nous mettre un peu dans le contexte. Ça qui pourra le discuter ou bien ça nous pourra le présenter selon ça, l'Esprit bon Dieu inspiré nous. Semaine dernière, si vous songez bien aimé, pour ça vous qui êtes branché, nous t'ai parcouru une séquence dans la vie David, séquence côté bon Dieu t'ai relé. Li pot ko gen anken identite, moun pot ko konel. Li se yon moun ki te pratikman ap viv dan le mepri. E le seigneur pral rele profet Samuel. Poul di Samuel, ale la kay Isaïe ki se papa David. E wava di Isaïe, mwen vin prezante yon sakrifis. An realite, bon Dieu voye Samuel kay Isaïe. Paske bon Dieu te rejete Saül an tanke roi. E bon Dieu fe chwa de David pour remplacer Saül. Mais ça, c'est dans le plan de Dieu. Personne pas de connaître. C'est bon Dieu même qui t'a fait plan. C'est comme ça Samuel levait l'allée et il a choisi un monde selon sa bon Dieu t'avait montré. Cependant, pour lui, Samuel, choix, l'étape déterminée en fonction de l'apparence physique. Pour Samuel, monde qui prend le roi, son monde qui t'a dû bien camper. Son moun lowel ou ta dwewel li genyen fizik yon wwa. E ou sonje, a patir de sekans sa nan la vi David, mwen te di ou genyen an realite sep moun nan la vi David si nou konsidere seulement sekans ki soti nan chapit 16 a chapit 18 lan, nou e genyen sep moun nan la vi David. E chak moun sa yo bien eme, yo reprezente yon atitude par rapport à réussite l'autre monde. Rapidement, pour vous-même qui pat là, ou bien qui t'étant des messages, mais t'es gant pile en pile bagay nous t'es parlé, m'a fait un rappel. Sept moun sa yo qui dans la vie David, mwen te dou yo représente sept attitudes moun ka gagné par rapport à réussite l'autre monde. Sept attitudes moun ka gagné par rapport à réussite l'autre monde. Premier monde qui était dans la vie David, c'est Samuel lui-même, le prophète. Samuel lui représentait attitude ça, yon moun gagnen kap gade sou apparence physique. Samuel encore une fois, c'est attitude yon moun kap gade sou apparence physique l'autre monde. Ça c'était première personnalité nous dans la vie de David. Deuxième personnalité nous t'ouais dans la vie de David, c'est Isaïe. Papa David lui-même. Isaïe lui représentait attitude Mounsa qui méprisant, mais qui méprisant de façon inconsciente, ou bien qui méprisant de façon innocente. Et notez bord référence, si vous avez un petit temps, ou qu'à le retendre des messages là sur YouTube, ou qu'à toujours à le consulter, yo, retendre yo. Donc, Isaïe, c'était deuxième personnalité, mes bien-aimés, qui était dans la vie de David,
papa David même, et qui te représentait attitude d'un monde qui méprisant, mais de façon inconsciente ou innocente. Troisième personnalité notée dans la vie de David, c'est Saül, mais Saül première version. Gen un premier Saül qui était remet David. Saül ça, il était remet David parce que David était au service li. David t'a joué musique pour lui, les mauvais esprits viennent agiter l'esprit. David t'a porté zam pour lui lors de la bataille. Eh bien, premier Saül ça, il représentait attitude yon moun qui considérait yon l'autre moun, mais uniquement parce que moun ça a servi. Parce que moun ça au service li. Ça c'était premier Saül. Quatrième personnalité nous ouais dans la vie David, c'est Eliab. Eliab, j'en note douli, c'était plus grand frère David, c'était premier petit garçon Isaïe. Isaïe te gen 8. Eliab c'était premier, et Eliab li représentait attitude yon moun qui voulait ramener yon lot moun à passer. Yon moun qui voulait enfermer yon lot moun dans origine sociale li, dans saleté dans le passé. Une des bonnes références côté Eliab parle à David, l'a dit David, mais soit fait là. Est-ce que place où c'est pas avec zanimo yo koto ta doit al pran soin yo dans désert? Eliab les représenter attitude ça. Yon moun qui voulait renfermer yon lot moun dans le passé, dans son origine. Cinquième moun noté dans la vie de David, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Goliath. Goliath, c'est attitude moun sa qui voulait tout simplement détruire. Il a cherché détruire par tous les moyens. S'il pas qu'à détruire physiquement, il a cherché détruire personnalité ou, il a cherché assassiner caractère ou. Et m'te wè avec ou, Goliath li pa moun sa kap chache détruire ou contrairement à Eliab, parce que li konè ou. Goliath se moun nan sa kap chache détruire, mais li pa même konè ou. La chache détruire parce qu'on représente yon bagay. C'est comme si m'ta dou, so représente yon genel, et li vle éliminer, pas parce que le konè personnellement, mais parce que ou représenter yon bagay, un bon exemple dans ce sens ça. Donc Goliath c'est attitude moun sa mes bien-aimés dans le Seigneur qui voulait détruire yon lot moun. Sixième moun noté dans la vie de David qui lui-même tout représenter yon certaine attitude par rapport à réussite, c'est Jonathan. Jonathan c'est attitude ça bien-aimé de yon moun qui voulait ou réussir. Mais non seulement moun nan voulait réussir, li voulait contribuer, participer à réussir tout. Jonathan, j'en note fort, Wessan, c'est Mounsa qui pral mette au service de David, ça lui-même li gagne comme privilège. Ça, c'était sixième moun noté dans la vie de David. Et enfin, dernier moun, septième moun noué qui gagne dans la vie de David, qui représentait yon certaine attitude par rapport à la réussite. C'est Saül, mais Saül deuxième version. Nous songez Saül première version, li te remet David, mais uniquement parce que David était au service li. Li te remet David parce que David était en bas l'ombrage li. Li te gen contrôle David. Li te quelque part yon moun qui prend David servi comme mâche-pied avec li. Cependant Saül deuxième version pour elle gen problème à David parce que David pral commencer sorti dans l'ombrage Saül. David pral commencer lever tête li, et c'est pas même David qui a levé tête li, c'est bon Dieu qui a levé David. Et à partir de ce moment, Saül deuxième version, li pral tout simplement constituer un obstacle. Et c'est l'âme ta remet bien-aimé dans le Seigneur reprendre méditation ça pour moi parler de attitude yon moun qui ingrat. Et yon moun ki envahi par jalousie. Attitude yon moun ki ingrat et ki envahi par jalousie. C'est Saül deuxième version. On nous garde qui ça qui te caractérisé la vie Saül. 1 Samuel chapitre 18. Moi te dou, moi n'a commencé li depuis nan fin chapitre 17 la bien-aimé. M'appli à partir de verset 56.
1 Samuel 17 à partir de verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. C'est Saül qui a parlé, qui mandait avec une garde lio pour y aller informer, pour y connaître qui est ce jeune homme ça y est, qui touillait Philistin. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Ça, c'est fin chapitre 17. Là, Saül l'est tellement épaté par qualité action David saute posé. David campait devant le grand Philistin, Goliath, et l'irrivé défaite Goliath devant tout le monde. Et Saül prend le nom état de choc. Il prend le dit, mais qui est ce mon petit garçon, ça y est, qui posait qualité action ça. Dans chapitre 18, là, mes bien-aimés, nous continuons pour nous lire. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan, vous songez, me dit, c'est la sixième personnalité qui était dans la vie de David. Mounsa qui voulait ouais, réussir tout et qui voulait participer à réussir tout. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, en parlant de Jonathan, pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan, li pa moun sa qui seulement voulait ouais, réussite, succès David nan bouche, li posé action. Ça, li te gagné qui te revenu de plein droit. Manteau, li bay David, li retiré li bay David, li retiré vêtements li bay David, même épée li retiré li bay David tout bagay. Alors faut me rappeler qui est Jonathan. Et Jonathan c'est petite Saül. En réalité ça cap passé la mes bien-aimés dans le Seigneur. Jonathan tellement vle pour David réussi. Jonathan ouais dans David yon moun ki ka peut-être mener Israël très loin. Li choisi de son propre gré pour effacer lui-même en tant que moun qui héritier de royaume nan, puisque c'est petite Saül. Li choisi effacer tête lui-même de telle sorte que David ka connaît succès, et avec succès David là li getan ouais c'est Israël même qui pral connaît succès. Par contre sou comprendre ça veut dire yon moun qui arrivait à ce niveau pour lui accepter, renier privilège lui, parce que lui rendait compte yon lot qu'a mené nation lui croit la donne lui remet beaucoup plus loin. C'est justement yon moun qui nan yon niveau de d'abnégation de soi qui posait yon action comme ça. Et c'est ça noue kay Jonathan mes bien-aimés. Cependant action Jonathan li contrasté, li opposé à sa David te fait. David le après la bataille à Philistin à Goliath, Saül te prend Zamlio li mette sous David. Le pou David commence à marcher avec toute épée gros par contre les armes de guerre. David dit non, ça yo pas pour moi, li retire yo. Et ça me t'arrain mais faut comprendre attitude David là. Li montre tout simplement li pat nan yon posture, li pat nan yon position pou le pran sa ki pa pou li. David refuse combat avec zam Saül, parce que zam li pral combat lan, se zam bon Dieu li même bali, se zam ke bon Dieu li même pral utiliser. Non seulement li pa vle combat a zam charnel et Saül, mais li pa vle non plus prend ça qui pa pour lui. C'est une façon en réalité pour David montrer, en tout cas inspiré par l'esprit de Dieu, que ça qu'a fait là c'est pas lui qu'a fait. Li pa chercher usurper place Saül, li pa chercher prend place Saül,
le Saül mette zam yo sou li, li refuse yo. Li kite a Saül sa ki revient a Saül. Zam yo se pou Saül kembe zamou. Se pa zamou yo ki pral fem genyen batay la. M pa pral mache kont Goliath le Filistin avec des zam charnel. Sa bon Dieu te genye kom plan pou David lan bien aimé dans le Seigneur. Se li même ki exécute. Kontras lan, David nan yon premier temps, li refuse usurpe place Saül. Don deuxième temps, Jonathan vle bay place pal la. En tant que digne héritier, en tant que héritier légal de royaume nan, Jonathan li vle que c'est David qui vini héritier. En nous continuer dans verset 5 long, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Le bon Dieu avec yon moun, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est go causé. Le texte me dit, quand je lis au verset 4, au verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Saül prend David, l'y mettait en tête de troupes de guerre. Tout le monde aimait David. Tout le monde a marché à David. Tout le monde coopérait. Tout le monde voulait soumettre à David. Et au verset 6, comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient et répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Bien-aimé, un paquet de bagailles qui a passé dans le texte là, et c'est sous ça que tu as aimé attirer attention, sous attitude d'ingratitude, attitude de jalousie qui envahit Saül. Il se trouve que, après ça, David fin combattre Goliath Philistin. Tout le monde remet David. Ou qu'à comprendre pour qui ça? Pas oublier, pendant 40 jours, Goliath a insulté l'armée israélienne. Pendant 40 jours, il mette en défi. L'a dit si gon nèg qui senti li gen garçon sou li tout bon vrai, vin camper devant. Le de l'armée ou pas besoin bataille. Si nom sa ki camper devant nan bat moins. Ah ben, l'armée Pamnan a esclave l'armée Israël. Cependant, si c'est moi qui bat li kitouye, l'armée Israël a esclave l'armée Philistine. Non. Eh bien, bien-aimé, pendant 40 jours, l'a insulté l'armée Israël. Non. Pendant 40 jours, personne n'a pas campé jusqu'à ce que David prenne le campé. Donc, naturellement, le David fin touye Goliath. Tout le monde remet David. David le veillon à front pour yo. Et il se trouve, le guerre a fini. Israël courit derrière les Philistins qui t'héritaient. Yo mette Philistin yo en pièce. Touye yo youn après l'autre. Et koun ya la, le yap rentre nan camp. Ces moments de célébration, ces moments de réjouissance. Et sur la route du retour, mes bien-aimés dans le Seigneur, gen yon groupe mesdames qui commence prend tambourin. Mesdames yo commence danser. Mesdames yo commence chanter. Et qui chante yap chante? Eh bien, yap chante. Saül touye 1000, David touye 10 000. Yon portion dit Saül touye 1000, David touye 10 000. L'autre portion répond en cœur Saül touye 1000, David touye 10 000. Ou t'as dit son moment de réjouissance? En tant que roi, qui te gagne devant yon l'armée comme ça, bien aimé, yon l'armée qui t'apprête à terrasser Israël, en tant que roi, ou t'as pensé que Saül, quelque part, il t'a participé dans la réjouissance-là, ou t'as pensé plus que son moment de célébration. Après tout, c'est une victoire de gagner. Après tout, c'est l'armée Israël qui gagnait. Et moi-même, en tant que roi d'Israël, quelque part, moi jouais un rôle.
ou t'as pensé que Saül t'a fait réflexion ça? Eh bien, pas du tout. Il se trouve que, bien-aimé, Saül, au lieu louer belle célébration qu'a faite, que tout le monde content, gagne la joie parmi peuple, au lieu en tant que roi, il t'a participé dans joie, eh bien, jalousie pral rentrer dans cœur, il pral enflammer. Ça qui a attiré attention, c'est pas victoire, non? Ça qui a attiré attention, c'est pas le fait que il quand même participé dans bataille, non? Puisque le touye 1000 moun. Ça qui a attiré attention, c'est le fait que David touye 10 000 et lui-même li touye seulement 1000. Ou qu'on est attitude ingratitude, li vini du fait que bien-aimé, yon moun li gen yon propension, li gen yon penchant, li gen yon tendance pour le compter bien fait la kay l'autre moun au lieu le compter bien fait bon Dieu la kay pâle. Ou comment c'est tombé dans ingratitude, ou comment c'est tombé dans jalousie, l'on passe plus temps à compter sa bon Dieu fait pour l'autre monde, au lieu de compter sa bon Dieu fait dans propre vie par. Et c'est exactement problème ça, Saül a confronté. Saül t'es qu'a fait que le compte avec peuple. Après tout, affront Israël t'es devant l'an, affront enlevé. Non, au contraire, il pourrait commencer à garder qualité renommée à bail David. C'est comme si Mdadou c'est renommé par là, yo prend pour yo bail David. Gen place pour tout le monde. Bon Dieu pas jambe, on bagaille bon Dieu bail yo moun. C'est bon Dieu que balil. Quand je lis mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean le chapitre 4, Jean chapitre 4, chapitre 3 verset 27. Gagnons une situation comme ça qui t'est posée avec les disciples de Jean-Baptiste. Gagnons une grosse dispute qui éclatait. Et gagnons non disciple Jean-Yo, en tout cas, un groupe de disciples Jean-Yo qui vient dire, mais nomme ça qui t'est avoir bon arrivé Jourdain. Nomme ça où t'es rendu témoignage de Lyon en parlant de Jésus. Mais lui-même tout l'a baptisé. Et mais tout mounio, y a quitté nous, y a pral joindre lui. Au verset 27, Jean 3, Jean-Baptiste répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bon, me redis-le encore, mes bien-aimés. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pas gagné rien, yon moun gagné. Pas gagné, pas gagné, on baga yon moun gagné. Qui pas vini de bon Dieu. Bon Dieu gagne droit pas directement. Bal salguin, mais quelque part il y a la permission de Dieu là-dedans. Jean-Baptiste fait déclaration ça, il dit pas un monde qui a recevoir un bagage s'il pas venu de Dieu, du ciel. En d'autres termes, tout ce qu'on monde gagne, c'est que l'été doit gagner. Tout ce qu'on monde gagne, c'est que l'été doit gagner. Jean-Baptiste en réalité a bail nous une leçon. Sous besoin vivre bien, sous besoin vivre en paix. Pas le garder sous sa moun genyen, tout sa ouè moun nan genyen, konen li vini du ciel. Sou vle bien vivre, pas pren plaisir ap konte sa moun genyen. En bon Jean Créole, nou ta di, gade nan pa ou. C'est attitude nan sa, oui, attitude de reconnaissance, attitude de gratitude, c'est gade nan pa ou. Pas gade sa pa genyen, pas gade sa lot la genyen. Ou ta remen genyen, gade sa genyen ou même. Jean-Baptiste dit à disciple yo, nou pou ko comprendre rien. On moun recevoir seulement sa ki soti en haut nan ciel. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, bien-aimé, l'apôtre Paul a parlé à chrétien Corinthiens, il dit, qui est-ce qui te distingue, parlant de l'église de Corinthe? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qui sont gagnés ou pas recevoir? Qui sont gagnés qui pas sauté en haut? Pour qui ça va frapper l'estomac ou comme si c'est ou même qui t'est fait? En d'autres termes, ça m'a compris à partir de passage Sayo, bien-aimé. Attitude pour yon moun gade dans sa lot gagné, pour t'a enflé avec jalousie, pour t'a enflé avec envie. Son attitude qui fait mon homme misérable. Et c'est exactement ça qu'a privé Saül. Saül pas gardé belle victoire Israël gagné.
Saül tombait dans l'ingratitude. Saül tombait dans la jalousie. Saül commençait à mijoter dans tête li. Comment pour le faire? Pour éliminer David. Gen yon bagay le mwen li, nta reme quand même attirer attention sou li nan passage sa bien-aimé. Mais espero c'est moun ki reme pranti not ou. Nan 1 Samuel chapitre 18 au verset 9, nap li tekst nan li di, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Ba l'an pa fait Saül plaisir même. Saül en colère, Saül irrité. Qui ça qui pa fait le plaisir? Le fait que yo bay 10 000 à David et seulement 1 000 yo bay li. Bagalan bay mse problème. Et au verset 9, Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Mwen dernier partie ça. Depuis lors, à partir de ce jour et dans la suite, Saül a gardé David dans le coin G. Saül a veillé David. À partir de ce jour et dans la suite. Même expression ça, même bout de phrase ça, nous joignons dans 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13, m'appelle pour où? Samuel, le prophète, prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. C'est Samuel qui a oint David dans la première séquence notée avant. L'Esprit de l'Éternel saisit David et même expression en à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. 1 Samuel 18, verset 9, Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Par contre, sous le contraste là, non bien aimé. C'est-à-dire qu'il y a deux plans sous table. Il y a le plan de l'Éternel dans la vie de David et il y a le plan d'un homme qui cherche à éliminer David. Tout de plan yo, c'est à partir de ce jour et dans la suite. Bien aimé, qui est ce plan qui pourrait le passer dans la vie de David? Eh bien, le plan de l'Éternel. C'est ça que fait texte sur dit, bien aimé, à plusieurs reprises dans la parole là. Depuis bon Dieu avec, ou pas besoin de battre corps pour moun qui compte ou. Depuis bon Dieu avec, ou depuis bon Dieu favorisé, ou depuis bon Dieu choisi, ou depuis bon Dieu mette mail sous ou pas besoin de battre corps pour moun qui compte ou. Parce que depuis bon Dieu choisou, les choisou depuis dans premier moment jusqu'à la fin, là toujours avec ou. Peu importe ça, l'autre monde pral fait comme plan. Peu importe ça, moun taillé, bien-aimé, comme mauvais dessin. Peu importe mauvais plan moun ta fait sous la vie ou. Tout ça gen pour faire, c'est fidèle à bon Dieu dans marche ou. C'est pas ou même qui t'es choisi, bon Dieu, c'est bon Dieu qui choisit ou. Oh, moi je n'en pile réconfort dans parole ça. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Après ça, il met fait ça le vle. Ennemi David met fait ça le vle. Mais l'Esprit de l'Éternel saisit David. Pour moi, retourner, bien-aimé, dans attitude d'ingratitude, Saül, sous songer, lui fait un pile faux pas. Li fait un pile désobéissance, li comporte comme si c'est li qui était seul taureau, ça le dit c'est ça, ça le fait c'est ça. À un certain moment, Samuel pral dit le bon Dieu rejeté, li était ka mette ti kol tout petit. Et moi connais, bon Dieu me connaît, hein? Si ça il mette ti kol tout petit, bon Dieu son Dieu de compassion, de grâce. Bon Dieu t'a fait ça une grâce. Mais quand il y a Saül, non seulement il y a un problème, ça, il désobéit l'Éternel, et puis il a frappé l'estomac, il met sous lit. Quand il y a là, jalousie rentre dans lit. Et jalousie en pral pousser, le poser, toutes sortes d'actions jusqu'à ce que il pral chercher touiller David. Au contraire, il pral faire, bien aimé. Eh bien, il pral arranger pour mettre ça et David dans tête de troupe, voyer là dans combat. Avec même Philistin Sayo et d'autres armées, de telle sorte que leur ils vont côté pour tatouiller David. M'bal bon ça qui pi belle l'ogon titan ou à l'île, puisque nous pas grand pile en pile temps. Li te gagne deux petites filles, li dit mais ça m'a fait pour m'ka gagne contrôle David,
m'a proposé monsieur pour le marier avec une petite fille yo. Bon, premier petite fille, ça pas passé bien, mariage en pas fait. Deuxième petite fille, Mikal, li pral proposer David pour David marier avec. David dit bon, moi m'se petit ton berger, un homme qui était juste Bethléem. Côté me pral joindre cob pour marier à petite fille roi. Là, c'est pas l'âme. M'a prêté dans ram. M pa quitter gloire prend tête moi. C'est vrai me font bel exploit militaire, encore que c'est pas moi qui fait exploit militaire. Non, c'est bon Dieu qui t'a accompagné. Mais c'est pas parce que me font exploit militaire pour m'oublier son petit gars dans mouton mien. Qui bon me joindre l'argent pour mal marier à petit roi. Parce qu'on connaît bien aimé à l'époque pour marier avec un petit en général un monde, on dame faut qu'on paye pour dame non. Qu'on paye, il y aurait les dot. Ou gon qualité bête pour bail ou ensemble de bête pour bail ou payer pour fille ou besoin marier al travail bail prix pour fille c'est vrai bail prix pour lui David pas gain moyen pour le payer pour petit roi pour le marier à petit roi ou comme ça il pral le faire bien aimé yon façon pour le ka fini avec David li pral ou mettre fin li oui non même chapitre 19 là gon titan. Libral dit David, pas fatigo, mais comment on a fait? Ou pral pote ban mwen 100 prépus philistin. Et ça suffit pour moi de pou pote ban mwen ma fò mari a Mika. M konnen gen moun la ki pa katann pou m di yo sa prépus lan ye. Et ben prépus lan, c'est pati sa nan ko gason, nan pati intime li, le y ap si yo konsi ou yo coupe peau ki sou pati intime gason. Saül dit David, pas un problème, sou besoin marier à petite fille non, ou bam 100 prépus philistin. Ça veut dire premièrement faut le touyer yo parce que il pas ka prépus yo comme ça, pas vrai? Faut le touyer yo et l'elle fin touyer yo pour couper petit parti ça, pote bay Saül pas une pas deux, 100. Ça sont bagaille insurmontable. Comment mande un homme pour le faire sacrifice comme ça pour une fille? En réalité, ça dans tête Saül, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une façon pour lui s'il prend David dans un guet-apens, dans un piège. C'est ça, oui, planté. Mais il se trouve que quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à son égard. Il demande 100, David bat 200. David bat Saül 200. Il tue 200 Philistins pour tes prépuces. Et depuis lors, Saül, mes bien-aimés dans le Seigneur, a cherché pour le touiller David. Reste là, c'est histoire qu'on connaît très bien. Qu'est-ce que ça m'a vraiment retenu dans méditation à Soya? Attitude de gratitude. Attitude de gratitude. Pas quitter colère, jalousie, envie envahit cœur. Ça que fait, il dit dans Proverbes au chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pas quitter jalousie envahie. Pas quitter envie sous ça qui pas pour ou envahie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Au contraire, m'a encouragé nous chaque qui souligne en bien-aimé pour nous développer une attitude de gratitude. Comptez bien fait bon Dieu dans la vie pau. Pas garder ça bon Dieu a fait dans la vie voisin, dans la vie frère, dans la vie sœur. Garder ça bon Dieu a fait dans la vie pau. C'est vrai, moi connais nous hérité de gène Adam. Adam il était gagné toute bagaille disponible pour lui dans le jardin d'Éden. Seul bagaille bon Dieu t'a dit le pas toucher, c'est lui-même il était ouais. Moi connais nous exposé à même bagaille là. Nous ka gagné toute bagaille. Mes yeux nous toujours été fixés sur ça nous pas gagné. Eh bien bien-aimé, me voulez encourager à soyons. Mande bon Dieu pour yeux gagner et suffisamment d'habilité pour li ouais bien fait bon Dieu dans la vie pau. Oh les bienfaits de Dieu mes bien-aimés dans notre vie sont multiples. Si nous t'apprenons temps pour nous compter bien fait bon Dieu dans la vie nous, n'a besoin de moyens pour nous vivre bien. Pas garder ça nous pas gagner, garder ça nous gagner, garder ça bon Dieu ba nous et dimanche si bon Dieu voulait, m'a gagne opportunité pour me parler nous de la générosité de Dieu. Garder ça nous gagner, bon Dieu ba nous bagaille pour nous vivre avec cœur content. Gagner
auteur savant de la Bible, enfin un monde qui étudiait la Bible, il y aurait les monsieur Matthew Henry. Monsieur t'a fait une belle déclaration dans un journal intime que m'ta aimé partager avec vous avant nous finir. Monsieur dit: Seigneur, moins reconnaissant premièrement parce que yo pas de jambes volées avant. Apparemment son monde qui te connaît en situation yo te volé, yo te prend ça te gagné. Et après lors monsieur vient faire déclaration: Seigneur, moins reconnaissant premièrement parce que yo pas de jambes volées avant. Monsieur dit: Seigneur, moins reconnaissant deuxièmement parce que c'est bous moins yo prend, yo quitte m la vie sauve. Monsieur dit: Seigneur, moins reconnaissant troisièmement parce que même si yo prend tout ça me te gagné li pat en pile. Et quatrièmement, Seigneur, moins reconnaissant parce que c'est moun qui volait, c'est pas moi qui volais moun. Bien-aimé, toujours gon raison pour reconnaissant. Toujours gon raison pour compter les bienfaits de Dieu. Toujours gon raison pour gon attitude de gratitude. Toujours gen yon raison pour pas quitter corps enflé avec jalousie et envie. Gen l'autre nom yon rapporté qui te gagné yon pantalon et li confié pantalon à madame li, pantalon que le remet li bay madame li pour passer le pouli. Il se trouve que pendant Damnan a passé pantalon, moment de distraction, pantalon a brûlé. Nomnan a commencé, mettez-le dans un état de colère. Lorsque soudainement, monsieur font une pause, monsieur dit: Mais l'heure, pendant ma en colère pour pantalon, c'est vrai, moi, mes pantalons en vrai. Mais pas plutôt me commencer, dit bon Dieu, merci plutôt, parce que j'aime moins pas dans pantalon pendant le taboulé. Bien-aimé, encore une fois, toujours bon raison pour dire bon Dieu merci. Je dis, bon, dis bon Dieu merci plutôt parce que le pantalon t'a boulé à jambes moins pas tant d'ol. C'est ça me développe courage pour comprendre, bien-aimé. Gardez cœur de jalousie, de envie, de attitude d'ingratitude. Soyez reconnaissant. Reconnaissant vers bon Dieu. Quand pile bagay bon Dieu fait dans la vie ou dans la vie nous toutes, qui t'a dû porter nous à rendre l'action de grâce tout le temps. En nous éviter comporter nous tant que Saül. En nous comporter nous tant que Jonathan par rapport à réussite l'autre monde. En nous dit bon Dieu merci pour l'autre monde là réussi. Pas oublier m'te si frère ou la, sœur là li réussi, si moun ki bokoto là li joine délivrance. Ça veut dire moun ki kon délivre moun nan, li pa trop loin. Qui sait, demain matin, si ap jou pa ou la. Fè kò kontan, soyez reconnaissant. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et que le Seigneur vous bénisse.